Et salut, allez, on se retrouve sur e-Racing et on est sur une nouvelle série, en fait une série que j'ai pas encore testée, la Falcon, donc c'est en GT4, hein, c'est suite à des conseils de certains abonnés. Il y a 5 voitures que l'on peut choisir. Là on est sur Suzuka pour 15 minutes. Le soft il est de 2100. Autant vous dire, moi j'ai un soft de 1600, donc je suis actuellement 19e, ce qui est tout à fait logique. Donc, je peux éventuellement gagner des points. Voilà, je le loupe encore une fois mon départ. Maintenant, il faut se méfier. De survivre au premier tour. Alors c'est dommage, hein, 15 minutes, c'est vrai que c'est pas énorme. Comme je dis toujours, hein, ça fait rusher un peu les gars, prendre des risques ou encore un spin devant. C'est sûr, hein, c'est pas les caisses les plus rapides, mais disons que il va falloir jouer sur le pilotage, sur l'étrage. Et encore une fois, il y avait plus de, je sais plus, de 90 mecs d'inscrits. Ouais, je sais pas, pour refaire la chanson. Alors là je suis avec la BM, je vous l'ai même pas dit, la M4, c'est la seule que j'avais en fait. Comme j'ai pas envie de remettre 15 balles pour une bagnole, je me suis dit on va la tenter avec ça. Pas du tout ce qu'elle vaut. Allez, c'est bon, on n'attaque pas pour rien.
problème c'est que je sais pas du tout comment vont se comporter les pneus donc. C'est bien ça, il y a de la bagarre. Oui, il me laisse la porte. Il referme vite. Hein. C'est loupé. À l'Axel. Je pense même pas qu'on puisse. Je sais même pas s'il y a un TC. Enfin, franchement, j'ai pas trop regardé. On va encore une fois se montrer. Derrière, il revient. Il est pressant. Du McLaren, je crois. J'espère que là-bas, au bout de la ligne droite, comme j'ai du mal à le passer, je sais pas si je freine trop ou pas. Vous voyez la casse. Hein. Deux dixièmes derrière. Il va falloir fermer les portes. On a passé la mi-course. Allez, la spi, on va se montrer. Ah, une meilleure reprise, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire hein, la BM ce qu'elle vaut pour vous, si vous l'avez déjà testé. Peut-être qu'elle est à la rue, j'en sais rien. Bon, j'en vois une devant, donc après le Sofi est 2100, je ne peux pas comparer.
peu de mal là. Allez, moins de 5 minutes. On va faire 3 tours, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Désolé, grand, désolé. Désolé, c'est ma faute. C'est de ma faute, oui, je sais, tu peux me faire des appels de phare comme tu veux, c'est de ma faute, je suis responsable, effectivement. Ah, c'était si bien parti. Ah, je vais prendre mon temps, puis on va lui faire un petit report, là, monsieur. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas les... ce qui est décidé dans les reports. J'ai fait un report hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, sur un mec. Et iRacing ne dit pas en fait ce qui a été donné, soit comme sanction, soit comme remarque. Il se garde le droit de ne pas divulguer. Je trouve ça un peu dommage. Il est là, il va passer. C'est bon à droite. C'est bon à droite. Ah, c'est dommage ça. Franchement, j'avais bien freiné. Devant, il a 4200 de rating. Qu'est-ce que je fasse avec mes 1600? On va quand même se méfier avec derrière. Bon, ça reste en l'état, ça me donne 16e. Mais ouais, il y avait vraiment bien bien mieux à faire. Attention, je sais, hein, iRacing, ce qu'ils vont dire. Bon mec. Sauf si c'est un récidiviste, c'était pas intentionnel, voilà quoi. C'est vrai que là, c'est la première fois que je me trouve à l'envers comme ça, et bon, c'est vrai que c'est de ma faute, j'ai très mal géré la remise en piste. Je pensais avoir le temps, et que j'aurais été moins débordé.
vous l'aurez vu certainement mieux que moi avec le replay que je risque de mettre. Mais voilà. Bon, je pense pas que ce soit de ma faute. Voilà, voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course, de ce fait de course, enfin je sais pas, je reverrai moi-même tout à l'heure. Et puis je vous laisse là-dessus, c'était la dernière course du coup de la saison. On va laisser passer la semaine tranquillement et on va voir ce qu'on fait la saison prochaine, si bien sûr je me réabonne. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à une prochaine. Tchuss.